J'ai vu un peu le résultat, surtout le final. C'est sûr que ça fait plaisir de gagner, et surtout de cette façon, parce que je crois qu'il y a presque 84%, je crois, si j'ai bien regardé. Et franchement, bah, ça fait plaisir parce que bah, ça fait des années que je suis au club, et sur ces 10 dernières années, être élu phocéen de la décennie, c'est toujours sympa. C'est toujours sympa, c'est un bon clin d'œil, surtout en cette période compliquée. Oui, après, il y en a d'autres, mais c'est vrai que ces trois-là ont marqué le club, là, déjà par les années passées, parce qu'ils sont restés pas mal d'années aussi au sein du club, et aussi par leur performance et les buts qu'ils ont pu mettre, qui étaient décisifs et importants pour l'Olympique de Marseille. Donc, c'est encore plus honorifiant de gagner ce petit concours entre supporters. Donc, voilà, encore merci, et c'est cool de gagner. Et ce qui est bien aussi, indépendamment de ça, c'est que ça permet aussi de valoriser le poste de gardien de but, et de montrer à quel point dans une équipe ce poste-là est capital. C'est sûr qu'on procure peut-être pas autant d'émotions qu'un but, mais on peut être tout autant décisif. Et dans un sens, on peut l'être vraiment bien, et puis de l'autre côté, ça peut être compliqué pour le gardien, parce qu'on a énormément de responsabilités, et on n'a pas trop le droit à l'erreur, quoi. Donc, voilà, c'est bien pour moi, mais c'est aussi bien pour le poste de gardien et tous mes collègues qui sont gardiens de but. Ça, tout de suite, un qui me vient à l'esprit, parce que je sais qu'il a eu, on va dire, une année difficile, et qu'il a morflé vis-à-vis des supporters, et pour moi, il ne méritait pas. Celui qui me vient en tête, c'est Jérémy Morel. Jérémy Morel, parce que c'était pour nous et pour moi un soldat. C'était quelqu'un de fiable pour l'équipe, et qui répondait toujours présent, et qui était performant quand le coach faisait appel à lui. Donc, voilà, si je dois en citer un, ça sera lui. Mais encore une fois, c'est sans réfléchir, j'en oublie peut-être, mais le premier qui me vient à l'esprit, c'est Jérémy.